Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième, déjà un deuxième, c'est fou, lundi cosy, le stream que je me suis dit que j'allais lancer et peut-être faire longtemps, on ne sait pas, le lundi midi, pour eh bien juste se détendre, voilà tout simplement, et alors, ça commence très fort puisque moi le lundi à midi, c'est là où j'ai ma notification pour me rappeler de prendre ma vitamine B12. Et du coup, quand je fais les streams le lundi midi, bah forcément, c'est pile quand je lance le stream. Donc, je vais la prendre devant vos yeux. Attention, ne faites pas ça chez vous. À la vôtre. Voilà, maintenant que c'est fait, lundi B12, on devrait l'appeler. C'est vrai. Eh bien, merci déjà à tous les gens qui se sont abonnés pendant l'attente. J'ai vu notamment Zweib et Dr. Draper, merci beaucoup. Et j'ai vu aussi tous mes amis, évidemment, dans le chat, bah oui. Il y avait Delenda, il y avait Frédégonde, il y avait Wizbot, il y avait And the Winner, ici évidemment, salut. Il y avait Fratus, Mister Nivan, Nobi, Murnelia... Il y avait Xempac, salut. Il y a Valentin Pictures. Oui, qui se plaignait des notifs que vous avez quand on lance un stream sur Twitch. Malheureusement, c'est un paramètre à changer complètement à part. Et quand on partage une chaîne Twitch, comme c'est le cas pour la rédac de Canard PC, c'est très très compliqué à changer. Donc c'est pour ça que les notifs que vous avez sont un peu obsolètes souvent. Donc désolé pour ça. Mais bon, ça fait déjà une notif pour dire qu'il y a un live, même si c'est pas le bon live. Mais j'ai vu aussi du coup Dorbatchev, Nobi, je ne sais plus si j'ai dit, mais en tout cas bonjour, Keletsu. Il y avait Ilienne, salut Ilienne. J'espère que tu vas bien, il y a les larmes du Styx, le lièvre noir, Roxrim, et puis après vous commencez à être beaucoup, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. En tout cas, vous connaissez le concept, peut-être le concept de ce stream, des lundi cosy. C'est je bois du thé, on écoute de la lofi hip-hop et on joue à des jeux très mignons et relaxants en blablatant. Pas mal. J'ai envie de dire, moi, si je ne faisais pas ce stream, je le regarderais. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Moi aussi, je bois du thé, c'est vrai, Frédégonde ? Du Sencha ? Ah bah voilà, ça c'est bien, c'est les vrais. Mais je crois qu'on en parle à chaque fois. Dites-moi s'il y a un problème de niveau audio. Si on entend trop fort la musique, pas assez fort ma voix, ce genre de choses. Alors ouais, on a un beau début de partie sur Townscaper, hein, j'en suis assez content. Et en fait, vous l'avez vu direct en live la semaine dernière, mais Townscaper, je suis un peu tombé amoureux de ce jeu en fait. C'est fou, donc c'est un jeu qui coûte genre 3 balles sur Steam et que j'avais jamais touché parce que c'est un jeu qui a pas d'objectif, qui juste repose sur la construction et le chill, la chillance. Et puis en fait, du coup je m'étais dit bah ça a pas grand intérêt, je vais me lasser au bout de 2 minutes quoi, parce qu'une fois qu'on a fait ça... Voilà, on fait des maisons, c'est bien, on est content. Et puis je me suis dit, voilà, et puis après je vais en avoir marre. Et en fait, non. la semaine dernière, au bout d'une heure, je voulais pas le lâcher. C'est Game Pass aussi, oui, je crois. Ouais. Attendez, merde, j'ai baissé la caméra. Alors, bah, y a pas le... C'est du QWERTY. C'est du QWERTY, voilà. Ah oui, ok. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Et voilà, donc je voulais pas le lâcher. Et pire, c'est que pendant toute la semaine, je me suis dit, ah, Townscaper, là, ma ville, oh là là, il faudrait que je la relance quand même. Et bon, j'ai réussi à ne pas la relancer exprès pour garder du mojo pour y jouer en live avec vous, quoi. Mes filles se battent pour la place à l'ordi pour y jouer, mais je comprends tellement. C'est tellement bien. Juste dommage, encore une fois, qu'on puisse pas faire de trucs suspendus. C'est le seul reproche que je fais au jeu, à part évidemment qu'il n'y a pas le support de l'AZERTY. C'est que voilà, ça c'est chiant. Ça c'est chiant qu'il y ait toujours ces espèces de pilotis là. Alors que on sait faire en architecture des trucs suspendus. Ouais, ça c'est dommage.
Mais on avait fait donc, on avait commencé par ce petit bourg en forme de flèche, fort sympathique, un peu bleuté, en, en terrasse comme ça. Après, on avait fait cette belle tour dont je suis assez content. Parce qu'à la fois, c'est, on voit que c'est une grande tour carrée, mais en même temps, c'est plus compliqué que ça. Elle est plus large. Il y a des architecturalement, je trouve ça très sympa. Et puis on l'avait relié du coup avec ce grand pont au-dessus du village. Et après on avait fait ça bien. On avait fait ça ici. C'est parce que je lisais en même temps le message de UK Media qui disait bonjour Isuel et Coin Coin, j'ai craqué aussi sur Nodescaper, un jeu qu'on se sent bien. Bah ouais ouais grave, ça, ça, je suis assez d'accord. Du coup c'est vraiment parfait pour les Indie Cozy. Je dis pas qu'on va y jouer à chaque fois. Mais en tout cas, c'est la détente, là. C'est impossible de mal commencer la semaine avec ça. Merci Lionel pour ton 30e mois d'abo. J'espère que tu vas bien, Lionel, aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, parce qu'on jouait ensemble sur Wreckfest. Et puis Wreckfest, tout le monde a un peu perdu la motive. Salut Ulf, salut Junar. Donc, je me disais... quitte à continuer une partie de Tonescaper un peu, pas toutes les semaines, mais voilà, un peu régulièrement, peut-être essayer de créer un espèce de tout, non pas cohérent, mais voilà, pas juste des îlots un peu bizarres. Donc moi, ce que je verrais bien, c'est un truc ici. Et comme ça, on pourrait le relier au village, à ça. Ce qui serait pas mal, c'est un genre de chaussée. Ouais. Ouais, mais il n'y a pas de... Ah si, ça c'est un... Il n'y a pas de virage, c'est ça que je voulais dire. Ah, je suis zen là, Chino, ouais. Ouais, ouais, franchement, ouais. Et vous n'avez pas fait de retour sur l'audio, donc j'imagine que du coup c'est bon. Qu'il n'y a pas de, de lézard sur... le niveau audio. Et en parlant de lézard, du coup, après Tonescaper, on va jouer à un jeu de construction de ville qui a l'air assez chill aussi, en tout cas j'espère, et qui... où on construit des villes à dos de... justement, à dos de lézard. Pas de reptiles, très bien. Très bien, très bien. Merci Yedzur pour ton abo, merci beaucoup. On t'entend pas du tout. Très bien. Oui, d'ailleurs, il y a un micro de rechange qui est en route pour moi, pour régler les petits soucis audio qu'on a avec mon micro qui commence à déconner un peu. Hein. Merci Niglam pour ton 11e mois d'abo, merci beaucoup. Non, non, Chino, c'est pas un nouveau micro, c'est un micro qui traînait à la rédac. Bon, j'aime pas trop cet angle droit, là. Ah, mais on n'est pas obligé, vous me direz, on n'est pas obligé de... Attendez, où est-ce que ça devient bizarre? Ça, c'est bizarre. Du coup, on pourrait... Oh! Oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire une chaussée complètement continue. Ouais. Je suis pas convaincu par ce bout-là. Regarde la grille pour voir si ça fait un truc bizarre. C'est expansible à l'infini, oui. Alors, je sais pas, mais il me semble. Hein. On avait fait des tests la dernière fois où vous voyez la grille. Si on étend... voilà. Après, peut-être qu'il y a une limite de blocs possible, mais... Exactement, Dark GP, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a aucune mécanique de jeu en fait. Il y a deux contrôles, le clic gauche pour ajouter des trucs, et selon où on clique, ça fait des trucs différents, et le clic droit pour retirer des trucs. Voilà, tout simplement. Et après, on peut varier avec la lumière, on peut
changer l'heure de la journée. On peut aussi faire ça la nuit. Après, il y a des petites lumières qui s'allument partout. Regardez comme c'est trop mignon. Non, mais franchement, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a des modes aussi. Voilà. Le mode non texturé que je trouve quand même assez cool aussi. Enfin, après, faut jouer avec l'éclairage pour avoir un bon rendu. Il y a un mode aussi un peu flat comme ça, qui fait très, je disais la dernière fois, qui fait très vieux livre pour enfants. Et puis sinon, donc le mode 3D comme ça, qui est quand même classe. Oui, moi je voulais enlever ces petits trucs d'appareil photo là au milieu. Peut-être que, genre, si je mets ça à la résolution de mon écran... Non, c'est toujours là. C'était mieux avant, en fait. Hop. Bon, tant pis. Alors, attendez, je rattrape le chat. L'export en OBJ est réutilisable. Je ne comprends pas. Mais oui, j'imagine que c'est pour de la modélisation 3D derrière. Ouais, j'imagine, ouais. 34e mois d'abo pour ce cartilage. Oscar, je lève mon verre de thé pour toi. 34 mois, ça fait presque 10 ans. Exactement, tu as bien raison, Oscar. Ben oui, c'est ce qu'on me disait, le lièvre noir, la dernière fois. C'est possible de faire des bâtiments volants, donc sans avoir ces espèces de jambes, là. Mais moi, je sais pas comment faire. Et puis, bon, s'il faut cheater pour ça, très peu pour moi. C'est encore du thé à la bière. Non, heureusement, j'ai fait attention cette fois. Bon, alors, ça m'embête, cette grille-là, quand même. Sinon, on fait... Attendez, on fait un truc... Comment, là? Ah, ça, c'est pas mal, ce petit serpentin de digue. Vous savez, moi, je viens d'une grande cité balnéaire, magnifique au demeurant. C'est pas le sujet. Et du coup, les digues, ça me parle. I dig the digue, comme diraient les anglophones. Ça marche pas, hein. Salut Denis! Est-ce que vous entendez bien la musique de la petite Lofi hip-hop en fond? Le Havre, c'est balnéaire maintenant. Alors, attention, parce que là, ça va plus être lundi cosy du tout, ça va plus être détente. Ça va être lundi la guerre. Ça fait longtemps que c'est balnéaire au Havre, enfin. Mais je sais que vous n'en pensez pas un mot et que vous me dites ça juste pour me faire réagir. Et ça marche. C'est terrible. Ah, c'est pas mal ça. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'a fait la grille là? Oh, ok, ok. C'est un peu chelou, mais... un peu chelou. Non, Oscar, on a pas le droit. Voilà. Ah, c'est magnifique. Et si on enlève tout ça... Alors désolé pour ceux qui voulaient pas passer 3 heures sur une chaussée, hein, mais... je suis perfectionniste, voilà. C'est mon problème. C'est mon plus grand défaut. Ouais, il l'a fait tout seul, Buzz, exactement. Oh, j'avais quasiment pas fait la vue aérienne, c'est pas mal aussi. Pour avoir une vue du cadastre. Non, mais il faut que je me rende à l'évidence, cette chaussée-là n'est pas satisfaisante. Ce bout de chaussée là n'est pas satisfaisant, alors que celui-ci, que les locaux appellent le Il Suppositorio, parce que c'est une ville de la Riviera,
Je trouve ça fort joli. Et après, comment on va le relier au reste? Déjà, est-ce qu'on peut le faire plus long? Ah non, c'est ça, c'est que je l'avais pas fait plus long parce que ça commence à devenir chelou. Pourquoi je dessine en blanc, moi? C'est du orange qu'il faut, là. Merci, Wazio, pour ton abo. Merci beaucoup. Ah, j'ai presque envie de faire un truc en miroir, là. Enfin, je veux dire, un truc à étage. Ah, merde. Mais comment... Ah, mais j'avais vu un truc pour éviter ça, justement. Pour éviter qu'il fasse... qu'il transforme la chaussée. Enfin, ces maisons en chaussée. Comment c'était... Ok. Je ne répondrai pas. Alors là, c'est extraordinaire. Ah, mais ce bout là, il veut pas par contre. Faut m'expliquer. Bon, mais déjà, est-ce que c'est bien? Pas mal, un petit côté le pont pont de machin, vous savez, le pont de machin de Meichin, comme disent les Anglais, puisqu'il est à Londres. Comment? Il a cramé hein, depuis longtemps. Oui, Florence à Londres, bien sûr, bravo Delenda, très bon en géographie. Le pont d'Avignon, bah non, parce qu'on ne danse pas là. La rivière Kwai, d'accord. Eh bien, personne ne m'aidera. C'est ma croix, c'est mon fardeau. Mais j'aime bien quand même ce... Je crois qu'on tient, un truc quand même là. Personne ne voit ce pont de Londres qui était célèbre pour avoir justement des boutiques, des maisons dessus, etc. Ah non, alors le livre noir c'est Il Suppositorio, c'est très différent. Mais non, mais pourquoi ils transforment tout ça? C'est pas le London Bridge tout simplement? C'est probablement ça, oui, tout à fait. Pourquoi il me fait pas des beaux toits là? C'est à n'y rien comprendre. Mais si, j'aime bien ce petit bout là, on va refaire un. Comme ça. Voilà. C'est un level de Dishonored. Ouais, ah mais ouais, il y a vraiment de ça, t'as raison, Denis. Surtout si on fait ça la nuit ou. Voilà, ça c'est très Dishonored comme éclairage. Allez, les lumières. Ces lumières, à chaque fois ça m'émeut. Voilà. Salut Monsieur Chat. Bien cosy en ce lundi.
pensais pas au Tower Bridge. Mais non, mais... Écoutez, vous m'obligez à googler. C'est très irrespectueux. Alors, London Bridge... burned... market... The Great Fire at London Bridge. C'était peut-être London Bridge. Qui avait dit ça juste avant? C'était Nobby de Nobs. Qui avait plus ou moins raison. On va regarder sur Google Images. Je sais que vous voyez pas, hein, mais c'est pour la culture. C'était le London Bridge, sans doute, ouais. Ouais, ouais. Alors, ça ne nous avance pas trop pour ici. En plus, je viens de voir que c'est la même couleur ici que là. Ah bah non, Oli, on va pas commencer à bannir les gens qui ont raison. Pas satisfait, je ne suis pas satisfait. Voilà, je préfère vous le dire. La satisfaction m'échappe. Alors, je pense qu'on va faire un truc plus au niveau, plus au ras du sol. Vous avez raison, on pourrait faire une rue en fait là, tout simplement. Ah c'est compliqué hein. Quel est le but du jeu? Ben y en a pas. Space Fractal, c'est un jeu où il faut juste, y a pas de mécanique en fait, c'est juste tu construis et pour le plaisir. Le plaisir de la chillance. Et là, on cherche qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre au milieu là pour relier ces deux faubourgs. Il y a un mode photo. Non, on est déjà dans le mode photo en fait. Hein. Le mode photo, c'est que tu cliques sur capture d'écran et il fait une capture d'écran. Mais il y a un. Si vous regardez sur... si vous googlez, vous allez tomber sur un type qui a fait en sorte qu'on puisse jouer à Townscaper, qu'on puisse se balader en FPS dans les villes de Townscaper. Ça, c'est pas mal. Donc, tu copies-colles le code de ta partie de Townscaper avec toute la map telle qu'elle, sauvegardée. Et après, tu peux te balader dans ta création. Ah bah Dieu vomi, je suis bien d'accord. Ouais, elle est chelou cette track là. Suivant. Sanctuaire Defense. Ah mais pourquoi il me fait ça tout le temps? Mais non, j'avais une superbe... Voilà. C'est pas pour moi, mais en tout cas, c'est agréable à regarder. Bah, justement, Lionel, c'est ce que je disais, c'est que je pensais que j'allais me lasser en à peu près 5 secondes. Et en fait, pas du tout. Et pourquoi là, il me fait pas des maisons... Ah bon. Oh, c'est énervant. Ah oui, on peut faire ça sinon. Bon. Est-ce qu'on le rattache à la tour?
Non, j'aime bien l'idée que la tour elle soit reliée que avec cet immense pont aérien. Et puis les navettes de bateau, évidemment, il faut imaginer. Non seulement Sisyphe, mais aussi les navettes de bateau heureuses. Ça, c'est important. Parce que t'as désigné, t'es un génie créatif. Oh bah, au moins, Lionel, oui. Je suis content que tu me juges à ma juste valeur. Mais non, en fait, c'est ça qui est fort avec ce jeu. Comme beaucoup d'outils créatifs, ce qui sont vraiment bien uniquement aussi quand les outils sont suffisamment agréables pour que même quand on n'est pas justement un génie créatif et qu'on n'a pas d'idée, parce que moi j'ai pas d'idée là, hein, on peut juste s'amuser et enfin voilà faire mumuse avec l'outil et ça fait des jolies choses. Ça c'est très fort. Très créatif avec les règles du code de la route. Non, Nobi, il y a zéro outil, hein. Encore une fois, le seul outil qu'on a, c'est qu'on a le clic gauche qui rajoute un truc et le clic droit qui l'enlève. Et des fois ça fait des chaussées, des fois ça fait des maisons, et voilà. Et on peut changer les couleurs. Mais non, on peut pas du tout reproduire des villes existantes, sauf peut-être des petits villages norvégiens, je sais pas. Je crois que le développeur est scandinave, justement. Bon, ça, je vous propose qu'on le laisse un peu de côté pour le moment. Et qu'on... Voilà, c'est bien ça. Et qu'on fasse peut-être un nouveau truc monumental. Non, c'est ce qui m'a fait rager sur le jeu. Tu es à la merci de la grille, donc c'est top pour générer des trucs sans avoir trop d'idées. Mais c'est insupportable si t'as une idée spécifique en tête et que la grille te bloque. Bah oui, là, c'est ce que je disais. Là, je voulais faire une belle chaussée et puis... Et puis, pas possible. C'est mignon, ça. Alors oui, j'avais une idée, justement... pour ce qu'on pourrait faire après. J'aurais voulu trouver un arc de cercle. Ouais, un peu comme ça. J'étends la grille pour voir. Ah voilà, ça. Ça c'est pas mal. Mais sans réelle boucle de gameplay, peut-on dire que c'est un jeu? Alors, oui, faut pas avoir peur hein, de dire que les trucs sont des jeux. Ça va pas, le monde va pas s'écrouler. Moi, j'aime pas trop justement tous ces débats où on gatekeep le jeu vidéo en disant non, ça c'est pas un jeu. Oui, ça c'est un jeu. Moi, j'ai toujours dit dans toutes les émissions Canard PC en plus, moi. Ma doctrine pour savoir si quelque chose est un jeu vidéo, c'est est-ce que ça suit ce que disait Sid Meier, est-ce que c'est une suite de choix intéressants? Et vous vous rendez bien compte que Townscaper, là, c'est une suite de choix intéressants. C'est pas des choix du style est-ce que je vais faire crever 12 000 mecs dans une bataille, c'est est-ce que je vais... c'est quel bâtiment je vais construire, comment je vais relier mes bâtiments, quelle couleur je vais choisir, et ça, c'est des choix intéressants. Donc oui, pour moi, il n'y a pas de souci à dire que c'est un jeu. Mais ça me fait pas trouver mon arc de cercle. Oh, ça, c'est un bel arc de cercle. Idéalement, ça aurait été ici. Ah oui, je peux faire un truc ici, peut-être. Ouais. Ouais. Très bien, ça.
Voilà, exactement, UK. Moi, je voudrais faire un truc un peu en terrasse, là. Alors, pas se tromper, parce que là, il faut faire aussi... C'est dingue quand même, je comprends pas la règle pour les maisons pour qu'elles soient reliées. Salut Emma, ça va? Pour les couleurs, on fera un vrai truc après. Quoi qu'on pourrait, on pourrait complètement faire un genre de dégradé sympa là. Ouais, du coup je vais refaire tout ça en violet. Après, de toute façon, vous savez, on fera des ajouts pour que les couleurs soient un peu différentes. Voilà. Voilà, c'est un peu un truc comme ça que je voulais faire. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que ça fait si on fait ça? On pourrait faire juste des arches. Il manque une pipette quand même pour les... Merde. N'importe quoi. Pour les couleurs. Pour pouvoir choisir rapidement une nouvelle couleur. Aïe, oui, non, ça marche pas du tout en fait. Ça ne marche pas du tout. Salut Air Delisque. Sortie du sport, oula. Quel courage. Quel courage, Emma. Alors, on va continuer comme ça, puis on va voir si on. Ah oh là là. Ça y est, recommence à me faire des. Ah mais non, mais déjà là il a enlevé les... Mais oui. Il a enlevé les toits. Ça va pas du tout ça. Comment ça se fait? D'accord. Remarquez, ça peut être pas mal d'avoir un genre de... Un toit sur deux un peu. Ouais, pourquoi pas. Ah non, là ça marche. Ouais, écoutez, c'est un peu abbaye comme ça, j'aime bien. Si le dev bosse encore dessus, non? Bonne question, je ne sais pas. Salut Alpha Blue Light. Et tu me.
c'est pas mal ça. Petit alignement là. La tâche du milieu doit être tellement agréable à vivre, vue sur la mer et aucun accès pour sortir. Mais si, ils ont le... Attends. Tout communique hein, à l'intérieur. D'ailleurs, je... Ah oui, c'est ça, j'ai pas fait les arches. Attendez, je voulais faire des arches. Oh là là. Alors attendez. Ouais. Pourquoi ça marche pas là? Ah ok, faut que je... Si je veux faire des arches, faut que je fasse comme ça. Ouais, sinon c'est échafaudage land quoi. Et ça enlève les arches du dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait des trucs comme ça. Donc ça veut dire derrière... Voilà, des arches comme ça très profondes. Ou est-ce qu'on fait plutôt des trucs comme ça? Plutôt comme à gauche, hein, j'ai l'impression. Eh ben merci, Kerotanks. Ah oui, c'est une coupe très 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 élaborée. Hein. Moi, je pense qu'on va faire comme ça. Après, ouais, non, le problème, c'est que ça risque de... Ah, quoique... En fait, dans un cas, on a un truc un peu creux, comme ça. Et dans l'autre cas, on a des bâtiments pleins, quoi. Je sais pas. Je pense qu'on va laisser cette question en suspens, si vous le voulez bien. Parce que c'est trop difficile de trancher maintenant. Ah, par contre, on a à nouveau plus de toit. Alors... Ah bon ? Comme ça, ok. Ah bah voilà. Ah. Imagine la lumière de ceux qui sont au milieu en bas. Ouais, c'est vrai que eux, je sais pas pourquoi, ils ont pas de fenêtre. Apparemment, des MJ s'en servent pour faire des petites maps de ville-village dans les jeux de rôle sur table. Ah, c'est trop cool. Après, pour faire des maps de jeux de rôle sur table, il y a plein d'utilitaires qui existent. Je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Bon, là, on pose juste les fondations de notre nouveau quartier, quoi. Mais après, évidemment, il y aura plein de trucs intéressants à faire avec. Ouais, on pourra pas continuer au... Et notamment des variations, parce que là c'est un peu monolithique, mais... Vous voyez là, quand on est justement avec cette vue, dans cette vue là... Et bah ça, c'est bien d'avoir des grands bâtiments comme ça à l'arrière. Mais regardez-moi ces arches, quoi. N'importe quoi. Ça y est, on a perdu les toits. Ah, ça va pas, hein. Bon, on verra comment on fait la finition ici. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Mais merde. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. On peut pas remplir automatiquement toute l'eau.
pour avoir un... des fondations partout. Non, on peut pas. On peut pas du vomi. Est-ce que les jardinets ont déjà été testés? On a fait la semaine dernière, on a fait un jardin, ouais. Ouais. Mais là, je suis en train de me dire sur cette endroit, est-ce que ce serait pas plus simple, voilà, que ce soit un genre de terrasse. Ça introduirait un peu de variété. Ouais, je pense que c'est bien. Là, la petite tour, c'est bien, on garde l'idée. On va pas forcément le faire tout de suite parce que... Bon, quoique. Si, allez. On est des fous, on est des dingues, on le fait tout de suite. Et de toute façon, ça, c'est un vrai... une vraie étape incontournable de la construction de passer du temps à un moment à faire des... de la... comment dire... des variations, changer les formes qu'on a créées, tout ça c'est hyper important. Les plocs-plocs de ce jeu sont si satisfaisants. Oups. Est-ce qu'un forcené a déjà recréé Sapienza dans Tonescaper? Bah il y avait matière en tout cas. C'est vraiment Riviera Simulator. En fait c'est marrant parce que ça fait penser à la fois à la Riviera, je sais pas ce que vous en pensez, et aussi à... à la Scandinavie, quoi. Et du coup, comme je disais, le dev est scandinave, donc c'est un peu cette inspiration nordique là, qui est assez visible. Copenhague à fond, ouais. Mais je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à la Riviera italienne. Non, peut-être que... c'est peut-être des histoires d'architecture, en fait. Que oui, à Copenhague, il y a plein de maisons comme ça, assez basses et rouges. Et en fait, dans la Riviera, c'est plus... je sais pas, c'est plus des tours. Crozet Burano. Je connais pas. Les tuiles en briques rouges. Ouais, c'est peut-être l'éclairage, hein, tout simplement. Tout simplement, ouais. Bon, alors, là, pourquoi il veut plus afficher les toits? Oh, c'est chiant. C'est très chiant. Remarquez, c'est pas très grave. Ça m'embête pour cette tour. Ah voilà. Burano, c'est une île au large de Venise avec des façades colorées. Waouh, ok. Ça m'embête pas que cet étage-là soit une terrasse, mais j'aimerais bien que l'étage du dessus n'en soit pas. D'accord. Okay. Ah, c'est fâcheux ça.
Là, on va galérer. Murano. Ah bah d'accord, si on me dit pas les bons noms. J'ai besoin de plus de thé pour réfléchir à ce problème épineux. C'était Murano, ok. L'île au large de Venise, bah c'est très bien. Alors, mais ça nous aide pas des masses. Bon après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas deux étages Pourquoi pas deux étages de suite avec des terrasses, c'est dommage, mais... Bah dans ce cas-là, il faudrait qu'on arrive à en faire un dernier quand même, avec des vrais toits. Voilà, c'est tout ce que je veux pour Noël. Ah, ok, ouais, évidemment, on va pas y arriver non plus. Mais ce beau dégradé quand même. Ouais, d'accord. Ça ne va pas. Oh, je m'endors, moi. C'est beaucoup trop cosy comme stream. Si même le streamer s'endort. Attendez, faut que je me mouche. Ce qui fait qu'il y a des terrasses ou des toits, Harald, c'est juste... Ouais, en fait, tout ça, c'est des logiques d'apparition, effectivement. Ou par exemple, je sais que si je fais ça, ça fait une chaussée. Et si je mets des maisons au-dessus, ça fait des maisons. Et si je reclique à côté, ça va refaire une chaussée parce que c'est deux de large. Attendez. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Mais si on fait un truc complet... ça refait des maisons, enfin voilà. Donc les règles sont assez subtiles et volontairement, je pense, nébuleuses. Mais il y a moyen quand même de les anticiper un peu. C'est pas les mêmes coloris, ça. Mais du coup, Ah oui, j'ai sauté une couleur, là. Oups. Mes excuses aux familles. On a bien compris que c'est celle qui fait le coin hein, qui gêne à chaque fois. Est-ce qu'on peut l'enlever et mettre à la place? C'est rigolo ça. C'est rigolo et ça ne marche pas. Oui, la tour, la tour elle change rien, elle gêne juste pour cet étage-là, mais c'est le même problème qu'ici. Pardon, c'est-à-dire si on fait un bloc, voilà, ça fait ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tricher? Non. Bon, bah sinon on fait un trou et voilà. Hein. De toute façon, voilà. Alors, ce serait bien d'en faire à certains endroits. Oula. Certains endroits. Non, c'est pas si fou en fait, finalement. F-
pour boucher avec pas le bon coloris à chaque fois. C'est ça qui donne beaucoup de cachet. J'imagine la gueule des types qui font les travaux. Tu vois la rangée de maisons là en haut de l'échafaudage de 60 mètres, faut tout péter pour refaire dans une autre couleur, l'architecte s'est planté. Ouais, c'est un peu ça. Mais ici, il y a un beau truc à faire, je sais pas, un stade peut-être. Là, tu mets un terrain de foot, et hop, t'as les gradins directs. C'est quand même pratique. L'algo de construction est pas un peu frustrant, j'ai l'impression que c'est parfois un peu dur d'anticiper ce qui va se passer lors de l'ajout ou modification d'un bloc. Alors, il peut y avoir de ça, effectivement. Comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure dans le chat, c'est un jeu qui, effectivement, privilégie les gens qui improvisent. Si tu essaies de faire un truc très précis, il y a des chances que ça se passe mal parce que bah, la grille est aléatoire, etc. Mais voilà, moi je considère que ça fait partie des choses à surmonter quand on construit là. Attendez, ça faisait... Ouais, c'était une terrasse aussi. Donc voilà, ça me chiffonne pas plus que ça. Il faut composer avec, quoi. Y a-t-il un test du jeu ? Eh bien, il me semble que oui, on a fait un test du jeu. Voilà, faut, en fait, c'est ça, comme dit Yogg, il faut que ça... C'est pas qu'il faut que ça reste organique, c'est que ça force à rester organique. Et donc ça force à apprendre à construire avec voilà, des éléments un peu imprévisibles, mais quand même qui font quand même quelque chose de très naturel. Donc ça, c'est agréable. Ben voilà, on a résolu notre problème d'ailleurs de... Il suffisait de changer les coloris. Ah, pas de ce côté-là. Pas très grave. Donc voilà pour les variations de coloris. C'est pas mal. On a toujours ce trou là, mais du coup, si on met une autre couleur... Ouais. C'est dommage. Malheureusement, on ne veut pas rester appuyé et avoir la fonction pot de peinture ou remplissage dont on parlait tout à l'heure. Donc là, si on veut remplir ce grand espace, il faut le faire à la mano. Heureusement, ça fait des plocs-plocs très mignons.
Je le remplis parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a une recette pour créer des jardins. Un parc. Mais je sais pas si ça va le faire quand c'est si grand. Merci Ganjatilk, 2 ans consécutifs. Bravo. 24e mois consécutif pour 29 mois en tout. Merci beaucoup pour ton soutien renouvelé, Ganja. Oui, c'est plus chill que les jetons dans Satisfactory, niveau son. Arrête de faire des... baraque. Enfin des... si justement. J'ai bon espoir que quand ce sera fini, il transformera tout ça en maison et du coup l'espace du milieu en parc. Attention 3-2-1. Oh là 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 là. Et je vous avais dit, on met un terrain de foot. Parfait. Par contre, ça aurait été mieux avec des vraies maisons ici, mais encore une fois, peut-être qu'en changeant les coloris, voilà. Oh, regardez, oh, il y a même des petits cloîtres maintenant. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Si ça existe en vrai, ça vaudrait le coup d'œil, ouais. Pas du tout, Frédégonde, parce que les gens dans les maisons sont bien éduqués, ils ne jettent pas leurs déchets par la fenêtre. Comment vont à leur maison les habitants du dernier étage? Eh ben... Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on a gardé une certaine cohérence, je crois. Non mais c'est pas fini. C'est ça la vraie réponse. C'est que c'est pas fini. Ce serait très bien de pouvoir rajouter des petits ascenseurs extérieurs et tout. Moi, le DLC d'ascenseur extérieur, je l'achète. Voilà, je vous dis tout de suite. Oh là là, les petits jardinets. Non, ça ne veut pas ça. Là, on n'y arrive pas à voir, contre. J'arriverai à modéliser mon Targis. Oh non, je fonds, là. Franchement. Oh, non mais, C'est lundi cosy. Voilà, mesdames et messieurs. Je crois qu'on fera pas mieux. Avec les oiseaux et tout. Et je reconnais ces Grenobles. Non, il manque le nuage de pollution pour que ça fasse ce Grenoble. Ah, les petits chemins là, c'est incroyable. Pas faire trop. C'est ça la difficulté, c'est de trouver quand est-ce que c'est bien de s'arrêter. Ah, ouais. Très très cool. Quoi là, si on agrandit la maison, ça ne va pas. J'aime beaucoup. Ah, on est d'accord, hein, Yukai. Et ce qui est cool dans ce jeu, c'est que voilà, là on en est à soigner les intérieurs. C'est quand même beau. Attendez, on va faire encore mieux.
Ah non, parce que peut-être que l'orientation est pas... Ah... Avec cette belle lumière rasante là. Pas mal. Ah là, la version modèle 3D non texturée est pas incroyable pour le coup. De mon côté, c'est plutôt lundi Covid d'ailleurs. Ah oh, bah désolé en titan. Ah bah désolé pour ta femme qui est positive. J'espère qu'elle se remettra bien. A priori, à cette vague là, il y a quand même beaucoup de gens qui se remettent très très bien. Donc je garde espoir. Juste un petit rhume, voilà, bah moi j'ai eu des proches qui ont eu ça aussi. Bon alors, comment on fait un truc sympa pour fermer tout ça? Et d'ailleurs, ça va pas là, les coloris. Un peu de variété. Oh mais ce jardin, je vais pas m'en remettre. Oh, excuse-moi. Parce que si on ferme juste, il y a moyen que ce soit pas hyper élégant. Mais il y a moyen que ça le soit aussi. Déjà. En plus, on pourrait, voilà, on peut faire des petites variantes sympas. Faut juste pas que... Voilà, faut juste pas que... Non, ça, c'était déjà une terrasse... Ah non. Mince. Faut pas qu'on ait trop de terrasses à la fin, mais bon, peut-être s'en préoccuper plus tard. En fait, ce qui est cool, c'est que là, ajouter des variantes de coloris de maison en plein milieu, ça permet de casser justement... alors qu'avant, il allait tout transformer en terrasse. Là, il se bloque au bout de 4 maisons parce qu'il y a une variation de coloris qui casse un peu sa chaîne, son pattern. Pas mal ça, franchement. On va faire la même chose de l'autre côté. Petites arches comme ça, c'est sympa aussi. On est à 2 heures de jeu, ouais, 2 heures depuis la semaine dernière. Enfin, avec, je veux dire, en comptant le stream de la semaine dernière. C'est ça. Bah, je suis hyper content parce que ce bâtiment là, on n'y croyait pas trop au début, hein. Je vous ai vu au début, vous étiez là genre oui, pourquoi pas. Et en fait, de ce côté là c'est sympa, et encore on n'a pas fini. Et de ce côté là c'est hyper cool, ce petit parc là. On va faire plus de petits trous. Ça roule, Jeannot. Ah non, c'est pas... On fait pas les 2 heures de stream sur ce jeu. Non, là, on va changer bientôt. Si c'était ça la question, pardon, j'avais mal compris. On va changer, on va faire un... très bientôt un city builder à dos de lézard géant. Vous allez voir.
ça manque de toiture végétalisée. Bah, je suis bien d'accord, Magusienne, malheureusement, moi, je ne suis pas le développeur. S'il sort un DLC toit végétaux, moi, j'achète, hein. Même si le DLC est le prix du jeu de base, c'est-à-dire 3€. Non, mais Jeannot, moi, je veux pas t'empêcher de jouer à Crusader Kings, hein, pas de problème. D'ailleurs, dans Crusader Kings, je fais un petit... une petite pause parce que je sais qu'il y a plein de joueurs de Crusader Kings dans le chat et j'en fais partie. Là j'avais une partie où je jouais, bah, je l'avais streamé le début, je jouais la dynastie Bâtard Carnage de Mongolie. Et c'est la deuxième partie de suite que je fais avec Royal Court et la deuxième que j'arrête pour la même raison. Alors outre les problèmes lié au DLC qui vaut pas son prix, bon c'est pas grave, mais là j'ai l'impression que lundi cosy c'est fait pour discuter, y a pas de problème. j'ai l'impression que Crusader Kings c'est il y a deux jeux dedans en fait, qui sont très différents. Il y a le début quand on commence en tant que simple comte par exemple et qu'on progresse petit à petit jusqu'à avoir, voilà, on grignote les baronnies voisines, on fait des petites alliances, on complote vite fait pour choper un bout du royaume d'à côté, etc. On s'élève, on devient un duc, après on conquiert peut-être plusieurs duchés, on devient un roi, etc., un empereur. Et voilà, et il y a un stade où on arrive à la tête d'un immense empire, et là, ça devient emmerdeland. C'est-à-dire en fait, on ne fait quasiment plus que de la gestion intérieure, qui, en plus, est vraiment pas très intéressante, parce que c'est juste que tout le monde nous déteste parce qu'on est le grand roi. Et donc tous nos vassaux passent leur temps à se rebeller, etc. Et on n'a plus le temps de conquérir les royaumes voisins, moi j'ai beaucoup de mal. Et en plus, parce que j'ai toujours des rébellions. Et en plus, bah, c'est pas très intéressant en fait, juste c'est plus du tout le comme le début de partie où voilà, je vous dis, on complote, il y a des tout petits enjeux, on est là genre, ah moi j'ai 300 soldats, lui il en a 700, c'est toujours... C'est toujours spam complot influence, mais malgré ça, hein, tu sais, quand t'as 40 vassaux, c'est... Ouais. Ça n'a pas posé problème à Noël. Non, mais là, c'est très personnel, ce que je dis. Du coup, moi, ça m'intéresse moins, en fait. La partie où on... Il y a vraiment un déclic, je trouve, en plein milieu des parties, où c'est, allez, maintenant, ça y est, t'as un grand empire, tu vas plus que te faire emmerder par ta politique intérieure. Et c'est tout. Et c'est triste, quoi. Enfin, c'est triste. C'est triste pour moi, parce que ça me plaît moins. Mais bon, ceci dit, ça reste un excellent jeu. Hein. Je dis juste, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, apparemment vous avez remarqué ça. Donc je me sens moins seul. Bon, Tonescaper, ça fait 1h10. On a fait ce magnifique parc. Et en plus, regardez... Qui vient quand même donner pas mal de corps à notre ville. Je suis pas mal content. Et on va passer sur un autre jeu du coup. Justement, Royal Court vient densifier la deuxième partie dont tu parles. Ouais, mais pas avec des événements intéressants, je trouve. On va jouer diplomatie. Ouais. Oui, non, sans doute. Attendez, on va enlever la grille. Ah oh là là, il est beau ce jeu quand même. Hein. Mais là, oui, il manque des trucs d'architecture qui, comme la tour là, qui viennent un peu casser cet arc de cercle. On travaillera à ça, mais par exemple, voilà, il y a des petites possibilités. Je fais n'importe quoi, hein, mais imaginons. Comme ça par exemple. Voilà, qui viendrait un peu. Et puis on le relie ici. Ouais, peut-être pas. Enfin, voilà, des trucs qui viendraient casser un peu ce truc. Je vais l'enlever parce que. On va pas se lancer là-dedans. Oh, mais ça fait une jolie tour. Attendez.
Bon, il y aura des pistes. Il y aura des pistes, on se rappelle ça pour la semaine prochaine. On devrait parler literie, on parle jamais literie, mais moi je suis chaud. On continuera lundi prochain, évidemment, évidemment. Évidemment. Alors, donc, on va quitter. Et on va lancer à la place la démo d'un autre jeu. Un jeu que j'espère chill. Je ne sais pas encore si ça va vraiment être la détente, mais vous savez que dans Lundi Cozy, on ne joue qu'à des jeux full détente. Donc si ça ne marche pas, bon, on retournera sur Tonescaper. Donc c'est un petit jeu suisse. Qui a de la musique, donc on va couper temporairement la nôtre. Voilà. Disons que sa musique est un peu forte. Attendez, je vois du WASD là. Voilà, le petit réflexe Yvan. Non, on peut pas mettre de terrain de colline dans Tonescaper, non. Et donc, vous allez voir. Moi, je découvre en même temps. Bon, c'est minimaliste comme narration pour l'instant. Mais Denis. Tutoriel. Bonjour mon ami, mon nom est Ombus Mumblemore. Et je suis l'ancien du village. Notre peuple, les Niomans, a voyagé loin et souffert de nombreux maux à travers les années. Mais maintenant, nous avons découvert un ombu, une bête ancienne que l'on croyait éteinte depuis des siècles. Notre rencontre était sans doute destinée. Le lombu a sans doute été endormi dans le sol pendant très longtemps, mais peut-être qu'il s'est réveillé à cause des toxines qui continuent de s'enfoncer de plus en plus loin dans la terre. Tintintin. Lombu semble crever, le pauvre, et il est retourné dormir. J'ai lu une fois que les zombus prennent leurs nutriments depuis le sol. Donc je me demande si il peut vraiment se nourrir par ici. On dirait qu'on va avoir besoin de prendre soin l'un de l'autre à partir de maintenant. C'est mon expérience qui a conduit notre peuple jusqu'ici, mais maintenant il est temps pour toi de prendre ma place et de les conduire jusqu'à un meilleur endroit. Pour que la transition se passe mieux, je pourrais t'apprendre un peu de ce que j'ai appris. Un tutoriel, si tu veux, qu'est-ce que tu en penses? Bon bah oui, hein. Oula. Alors attendez. Petite pause. Ah, voilà. Bah écoutez, c'est fort mignon ça. Gros pépère, mais ouais, ah bah là, complètement. Oui, et moi je pense que c'est complètement voulu, hein. Oh là là, par contre... Je m'attendais pas du tout à un jeu aussi velu. Je pense qu'on va vite retourner sur Tonescaper, hein, parce que c'est quand même, c'est lundi cosy quoi. Mince. Ah merde, j'ai cassé le tuto. Ah ok, d'accord. Le truc se réveille un moment. Oui, parce que j'ai vu dans la bande-annonce, après, le truc, il marche et tout. Construisez des tentes pour votre village. Oh là là, non mais attendez, moi, je vais retourner dormir, surtout.
Mais quel est ce jeu? Oui, c'est vrai, j'ai même, peut-être même pas dit le nom. Ça s'appelle The Wandering Village. Wandering avec un A. C'est le village qui se déplace. Alors, j'imagine qu'il faut couper du bois. Ah, c'est mignon, ça fait des petits ballons au-dessus des arbres quand je les désigne comme à couper. Est-ce que chaque... Ouais, chaque... Ok, ça c'est un truc à la RimWorld, donc chaque perso a un nom précis. Faudrait changer la catégorie du coup. Ah merde, merci, merci Oli. C'était quoi, The Wandering Ring Village. Voilà, merci Oli. Le village migrant, comme on pourrait dire, oui, 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 on pourrait. En construisant des tentes, il y a des tentes. C'est beau ce que tu dis. La scène? Ben non, on est dans la bonne scène, là. Ah, Dioli. Alors, ok, stockpile des berries. Le berry, très très belle région. Il n'y a pas un... Voilà. Oui, voilà. On casse tout, là. Voilà, vous prenez ça, vous cassez tout. Allez-vous! Ah oui, puis vous approchez pas du bord, quoi, parce que... Oh, il ronfle. Trop mignon. Alors, une ferme. C'est un peu minimaliste comme... tutoriel, hein. Assign plots to your farms. Ok. Je vais faire un puits à eau aussi, hein, parce que je pense que c'est nécessaire. Voilà. Ok, et il me faut un herbaliste aussi. C'est mignon pour l'instant. Pourquoi ils veulent pas construire? On a plus de bois. Orasto! Ah, oh! Quand on zoome, c'est sympa ça. Est-ce qu'on peut changer l'angle? Non. Mais c'est très mignon. Alors non, c'est pas un puits, c'est un truc qui extrait automatiquement l'eau depuis l'air. Marche mieux au taux d'humidité, dans un taux d'humidité élevé, évidemment. Allez, allez, on coupe. Faudrait que je fasse une stockpile, j'imagine. Matériel storage, voilà. Ah! Je suis resté sur le WSD de Townscaper, donc malheureusement je contrôle mal. La bête bouge! Oh mais oui! Oh! Bah il est là le gros pépère, voilà! Attendez, parce que... Là je suis en... Voilà. On était en vitesse x4. Oh! Merci Denis. J'avais pas vu. Oui, Glouton, effectivement, on... l'émission de jeudi dernier sur YouTube, elle va revenir d'ici ce soir, je crois, a dit Sylvester Stallone. J'ai envie de lui envoyer une baballe, mais si, c'est ça. C'est très mignon. Puis, alors, pour le coup, c'est pas un jeu à la technique, voilà, c'est hyper impressionnante, c'est pas Uncharted 5, mais alors, le coup de pouvoir... Enfin voilà, d'un seul coup de molette passé de cette vue-là à cette vue-là à cette vue-là, et que tout soit dans la même scène, enfin tout soit relié, etc. C'est-à-dire que quand on zoome, on voit le décor derrière qui bouge et tout. Ça, je trouve ça très 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 fort. S'il ne reste pas tout, la forêt se régénère. Bah, c'est la question, ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui... Ils sont jamais contents. Ils sont jamais... Ah, ils ont pas de stone. Stone. Le monde est stone. Voilà. Il me faut un tank d'eau. C'est beau ça.
Ça, je savais que ça allait être mon genre de jeu. Voilà. Je fais un peu n'importe comment mon village, hein, mais c'est la démo, après tout. Pom, 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 pom. En vitesse x4, il avance à une vitesse très, très charmante, je trouve. Pom, 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 pom. Ah, on peut cliquer aussi là directement. Oh! Et nous allons arriver après à un groupe de nomades. D'accord, j'imagine qu'on pourrait aussi envoyer par exemple des gens en mission hors carte. Genre là, il y a une dune intéressante. Hop, on pourrait envoyer des gens. Ouais. Ok, ok. Mais c'est ridicule, on peut faire n'importe comment. C'est même pas qu'on peut. Oli, c'est qu'on doit. Ok, il y a un arbre de recherche aussi, ça c'est bien. Mais je n'ai aucun arbre, aucun scientifique. Scientifique ! A décidé ! Ah, j'ai fini le tuto. Ah non. Ok, il faut que j'ai un centre de recherche. Bah voilà, ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, fallait mettre des plots. Ah oui, ça va être... La productivité, bah oui. Mais Isual, mais vous avez une rage incroyable ! Pour l'instant, c'est très propre, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est un jeu suisse. Alors, ils m'ont dit de choisir Kitchen comme recherche. Alors après, un carpentier, j'allais dire. Ça, c'est de la bonne trad, hein. Vas-y, dépeins. Hein. Un carpentier et un stone cutier. Hop. Et qu'est-ce qui se passe quand la bébête a envie de faire caca? Mais exactement, exactement. C'est toute la question. Les nomades, ils ont... Ah, on les a récupérés parce qu'on était que 16. On était 16 avant, maintenant on est 20. Par contre, les berries, ça va pas, là. Les berrichons. Hop. Parce que faut nourrir les gens, là. Hein. Donc, zou. Et maintenant, il nous faut une kitchen. Elle est où la kitchen? Ah, elle est pas encore recherchée, ok. On va rester en mode pépère, hein. Moi j'aime bien. Sortie prévue printemps-été 2022 en early access. Exactement, merci Oli pour le lien aussi vers le jeu. Sera-ce un test Agbu ou Isual Suspense? Ah oh oui, je pense que ça on va voir. Hein. Bah moi j'aime bien le côté le design et tout, je trouve ça assez agréable. Agbu n'est pas sensible à ce genre de choses très bassement terrestres. L'esthétique, le design, les idées. Lui c'est est-ce que ça ressemble à Rimworld ou pas, voilà, quelle est la longueur totale de l'arbre de recherche, voilà, c'est ce genre de choses. Et du coup là je sais pas parce que moi j'aime bien le design et il y a un truc à la Rimworld un peu où on doit assigner des métiers aux villageois et tout. Donc ça peut lui plaire. Une bonne question. Tu peux faire une armée. Non, pas dans l'Indicosi. C'est interdit. Du coup je l'ai faite la kitchen. Kitchen. Bah elle est où? Voilà. Bah, il me faudrait vraiment quelqu'un qui coupe les arbres automatiquement par contre, parce que là, niveau renouvelabilité des ressources, ça devient compliqué. Là. Build a worker post, specialize your unemployed workers. Oula, qu'est-ce qu'il a? Wow. B.
Il se posait juste pour dormir. Mais tout va bien. Il fait dodo, ouais. Alors, du coup... On a un mycologiste. Oui, là on était en x4, c'est allé un peu vite, hein, on est d'accord. On est d'accord. Par contre, j'ai pas d'eau. Donc mon village va mourir, voilà. C'est la fin. Oh là là. Trop mignon quand même. Oui, alors il faut que j'ai un worker post. Et des carriers. On va voir ce que c'est. Ça, c'est rare quand même comme vu dans un jeu de gestion. Et c'est quand même très cool. Bon alors, vous construisez là ? L'ADA fait 13 jeux mobiles. C'est pas un bon un compliment très sympa, Little. Moi je trouve ça... Non mais oui, quand on est comme ça, peut-être un peu. Mais... Attends, c'est pas jeu mobile ça quand même. C'est juste mignon et enfantin, voilà. Voilà, on construit. Je comprends pas, ils me disent have at least two carriers. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'était ça, je crois. Bon. Village Doctor, mais je l'ai construit ou pas? Je sais plus. C'est le dino qui est mobile, pas le jeu. Et regardez, là j'ai récupéré, j'ai recherché le Hornblower. Que je ne peux pas construire. Oula! Attention, il me se lève! Oh bah oui, oh bah c'est dur, hein! Oh! On ne connaît pas encore le prix du jeu. Et parce que celle-là, c'est la démo qui est gratuite sur Steam. Et le jeu sort dans quelques mois encore. Encore. Oh bah allez hein. Il marche plus vite en x4, bizarrement. Alors donc je disais le Hornblower. Ah oui, je peux pas le construire près des bâtiments parce qu'il fait une grosse sirène. C'est bien, c'est futé hein. Côté stickers des bâtiments, oui, oui, ça fait un peu casual game. Ouais, mais écoute, c'est pas grave ça.
En même temps, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des jeux qui essayent d'avoir une DA un peu simple, etc. Pas de la 3D, etc. Et qui ne soit pas du pixel art ou de la 2D très très moche à la Prison Architect. Là, ils ont essayé de faire un truc quand même, malgré le côté 2D. Et donc, moi, je trouve ça assez, assez réussi et assez louable. Et donc, on a construit le Hornblower qui permet de donner des ordres. Oh. Très mignon. Et de près, c'est quand même super joli. Ouais, c'est lisible et assez chouette. Et donc, je peux commander au on-bout des commandes. Je lui dis quoi, de courir ou de se coucher? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que marcher, il marche déjà. Vous avez vu qu'il y a un trébuchet ombu. Un trébuchet pour nourrir le ombu. J'ai hâte de le construire. Ça influence quoi? Aucune idée. Aucune idée. On va lui dire de courir. Attention. Oh bah, c'est dur de courir, hein. Le pauvre. Sacré pépère. Bien. La grande énigme, c'est en quoi ce qui arrive à Gros Pépère influence la vie du village. Bah, déjà son chemin, et donc on peut lui dire de prendre tel chemin ou tel autre, et ça mène à des opportunités différentes. Et puis, après, oui, j'imagine que... on a des bonus ou des malus. Si l'ombu est empoisonné, par exemple, je pense que le village galère un peu derrière. Mais oui, pour l'instant, on n'a pas... c'est pas forcément très très clair. Ok. Ah, mais il continue de courir. Non, mais... Ok. Allez, on se couche maintenant. L'anime est chouette. Merci Merdine le fou, 10e mois d'abo, merci beaucoup. Oui, franchement, il est très mignon. Il est très mignon. Bah écoutez, un jeu plutôt chouette. Je sais pas si on va y passer beaucoup plus de temps parce que ça m'embête. C'est pas très lundi cosy finalement. Je pensais que ce serait un peu plus chill et le côté plus voyage. Et en fait, non, c'est vraiment de la gestion. Ce qui est très cool, mais pas très adapté au stream que je voulais vous faire. Faudrait pas qu'il se retourne, ouais. Ouais. Un petit côté chill à la Airborne Kingdom, ouais. Ouais, ouais. Ça m'a fait penser à ça aussi, ouais. On voit son estomac et sa fatigue en haut à droite. Ah oui, là, ouais. Oh bah, sleepiness à 84%, hein. Il a faim à 50%, donc faudra qu'on construise le trébuchet à nourriture pour lui. Très bien. Alors... Voilà. Donc ça, c'était The Wandering Village. Et je pense que maintenant, on peut faire un peu, pour se terminer, en quelque sorte, de... Le suspense reste entier. Parce que j'ai du mal à trouver le jeu. Mais quoi? Mais je l'avais installé. C'est une blague.
Ah, bon. Ah si, voilà. Ouf. Ah non, c'est je l'ai installé, mais c'est pas sur le... Oh là là, ok. Alors, du coup, changement de programme. On peut tester ensemble, parce que moi, j'y ai pas joué. On peut lancer un autre jeu. Qui va apparaître très bientôt. Excusez-moi pour cette transition un peu abrupte. Peut-être que des gens reconnaissent la... La musique. Voilà, on peut tenter un peu Exo One. Je pense que c'est un peu cosy, un tout petit peu. Je crois même. Je reprends Townscaper la semaine prochaine, évidemment. On va juste vérifier que tout est ok. Voilà, c'est ça me paraissait un peu flou. Ah, voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, gna gna gna, très bien. Super Zen Exo One, trop cool. La catégorie, évidemment. Merci Oli. Oxy, mon gars sûr, pour tout ce qui est catégorie Twitch. Et modération, évidemment. Alors, j'y ai pas joué, je sais à peine de quoi ça parle, j'ai juste lu le test de Noël Malware sur Canard PC, excellent test comme d'habitude. Avertissement, photosensibilité, épilepsie, machin, donc attention. Ah, Hidden Folk, ouais, c'est vrai que c'est un peu cosy, ouais. Faut que je le note juste après. La Terre. Un signal d'origine extraterrestre contenant les plans de fabrication d'une sonde exoplanétaire. Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Pas très zen pour l'instant. Je suis fâché. Je me sens pas cosy là. Ben non. Mais bientôt, je pense. Aha. Lag? Ah ouais? Ça tourne mal? C'est bon, ouais. C'est vrai que c'est un jeu qui est où il est important qu'il soit fluide. Lundi cosy, c'est mercredi vénère, c'est ça. Alors relâchez quoi ? RT. Je comprends absolument rien. D'accord. J'ai une gravité. Ça lag as fuck. Vous inquiétez pas, on va repasser en 1920 et en folie. Voilà, c'est de vrai. Y'a la vessie ou pas? On va voir, mais normalement ça devrait déjà aller beaucoup mieux.
Alors, c'est comment là? C'est mieux, ouais. Ouais. Le chat gâché est en bas de la pente, ok. Truc intéressant, si vous connaissiez Exo One, enfin que vous y avez joué à sa sortie, j'en ai parlé dans la caravane, mais il vient d'avoir une mise à jour avec notamment un sélecteur de niveau. Donc vous n'êtes pas obligé de vous retaper tout le jeu si vous voulez jouer à un niveau précis. J'ai pas encore bien saisi le mécanisme de... Ah non, les vols, les nuages, il faut que j'aille dedans ou pas? Pas l'impression. Oui. Ah, ok. Donc il pleut sur la lune. Non, on est sur... c'est quoi le nom de la planète? Sencha 4? Sagon 4, voilà. Belle pyramide. C'est vrai que ça fait une belle transition avec le stream de Hakbou dans un quart d'heure. Qui sera sur Flight Sim. Pourquoi il veut toujours que je plonge? Ah, parce que je gagne en vitesse, peut-être.
moteur se recharge avec la gravité. Ok. Je croyais que c'était juste une histoire de vitesse en fait. D'accord, je sais pas du tout où je vais. Hein. Vers le rayon bleu. Non, je crois qu'il y a vraiment un but, c'est des niveaux qu'on traverse vraiment avec un début, une fin, et avec une narration, etc. Oh non, je trouve pas que ça fasse Godspeed You Black Emperor, là. Je trouve que Godspeed, c'est quand même beaucoup mieux. Sans vouloir être désobligeant envers la musique du jeu, évidemment. Presque. Un mètre à l'heure. Joli. Salut The Mr. Slurp, merci pour ton 23e mois. J'espère que tu vas bien, que l'usine va bien surtout. C'est surtout ça, c'est important. Faut que j'aille dans le laser. Oh oui. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors non, on parle d'une usine virtuelle. Usine dans cette factory. Oui, oui, j'ai vu ce qu'il a passé sur Discord. Très très bien, Mr. Slurp, qui passe des milliers d'heures sur cette factory à faire une base absolument inouïe. Sublime. Life slide, ok pour chocolatine, bah je note. Je vais noter tout de suite. Et puis quelqu'un, je crois que c'est Emma qui avait parlé de Hidden Fox aussi. Je note tout ça pour de futurs. La musique est un poil forte, ok. Pourtant on l'a réduite, on a fait notre Yvan. Je note ça pour de futurs. Lundi cosy. On n'avait pas réduit tant que ça en fait. Je croyais, j'étais à peu près sûr, mais non. Merci Kawagan pour ton 7e mois d'abo, merci beaucoup. Allez, les cinématiques là. Ouais, je trouve ça dingue, les jeux
qui se base sur la liberté de mouvement, l'exploration et tout, et qui te loque dans des cinématiques. Salut UK, bon courage. Allez, ça compte, ça, on recommence. Donc là, on est sur une autre planète, c'est ça? Ça ressemble à la même planète, hein, ceci dit. À la surface d'une planète un peu comme Coruscant ou qui est entièrement peuplée et où on roulait au milieu de minuscules gratte-ciel, etc. Et on atterrissait au milieu et que ça ferait les cratères et tout. Voilà, petite piste pour Exo 1 2 du coup, Exo 2 peut-être. Lol, bah, c'est le stream où on chill tous les lundis. Et puis en plus, là du coup on joue à Exo 1, où le but c'est juste d'avancer en planant. Voilà, c'est tout. Bah, c'est pas convaincant, mais c'est quand même beau. Ça détend. Regardez les petites lucioles. En fait, je crois que c'est juste pas content parce que je galère à comprendre un peu le comment bien voler. Faut que j'aille à gauche là. Ouais, le design sonore est vraiment bien fait, ça c'est agréable. Ouais, j'ai l'impression que les lucioles rechargent mon moteur ouais, quand je suis en l'air, exactement. Ça se voit. Comment c'est beau. Ah bah voilà, vous voyez. J'ai pas bien compris où est-ce qu'il fallait que j'aille. Juste derrière à droite, je crois. Puissance augmentée, mode descente étendue, freinage maximal atteint, énergie stockée. Donc ça veut dire que maintenant je fais des meilleurs plongeons? J'imagine. Mais c'est permanent, du coup, les power-up? Si c'est le cas, c'est cool. C'est permanent, trop bien.
transformer en Walking Simulator très vite. Merci Liane, salut, bon courage pour ta journée. Ah, faut sauter, ça a l'air... Ah, voilà. Ouais, je faisais gâchette droite, mais du coup, il avançait pas des masses. Ouais, on va laisser la place dans 2 minutes à Akemu, qui nous fait l'honneur d'un stream Flight Simulator. Alors là, j'ai envie de dire, ça va être masterclass, comme on dit. Hein. Prenez des notes. C'est vraiment l'expert mondial de Flight Simulator. Il va encore se crasher. Voilà, c'est ça l'esprit. Oula. Oh là là, c'est beau là, hein, franchement. Avec son trachier fait main ? Ah bah j'espère aussi. Du coup là on peut replonger dans la couche de vent là et ça nous fait avancer. C'est très glace. Oula. J'ai peut-être été un peu gourmand. Ça va. Ces hautes montagnes, j'ai pas envie de me cracher, c'est sûr. Ah oui. Ah, quoi que ça recharge vite le moteur. Hein. Pas de problème. Bah, Olicolo, le gameplay, c'est juste que je dirige ce petit planeur. Et qu'il faut que je le fasse avancer d'un bout à l'autre d'une planète. Et après on change et on va dans une autre planète. Voilà. Et du coup j'ai assez hâte de voir parce que là, on est tombé sur 2 planètes assez similaires. Mais il y a aussi des planètes assez originales ou genre des planètes aquatiques j'ai vu. Donc ça peut être très cool. Mais on va tout de suite laisser la place à Agbu. Je sais pas si Agbu est là, s'il nous entend, si Agbu peut nous envoyer un signe. Tel un dieu perché dans les nuages. Il est là, ok. Eh bien écoutez, merci d'avoir été là pour lundi cosy. Moi je vous retrouve oui, avant que le jeu se vénère. Je vous retrouve du coup attendez, hop, voilà. On va même le quitter. Voilà, désolé. On se retrouve lundi prochain, évidemment, pour un autre lundi cosy. Et puis, tout de suite, je vous laisse entre les mains d'Agbu pour du Flight Simulator. Surtout, restez là. Si ça ne se met pas à jour, dans 30 secondes, vous faites F5 et hop, vous tomberez devant Agbu. Voilà, merci encore pour vos abos et votre présence. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.